Le rockeur québécois Jerry Boulet, vous le savez sans doute, est mort ce matin à sa résidence de Longueuil des suites d'un cancer. Fondateur du groupe Offenbach, Jerry Boulet avait rejoint un grand public ces dernières années avec son album « Rendez-vous doux ». Paul Toutant a préparé ce qui suit. Cette voix comme une espérance entre le temps et la souffrance. Cette voix ne chanterait plus que sur disque. C'était une voix unique dans la chanson francophone, une voix qui savait hurler le rock et pleurer le blues. C'était la voix de Jerry Boulet, le plus grand rockeur du Québec. Tenant son deadline à bout de bras, Jerry Boulet a combattu la maladie jusqu'au bout. Il nous laisse en testament un répertoire de chansons qui passeront l'épreuve du temps. Aïe, aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. Avec Offenbach, sur des musiques extrêmement percutantes, Jerry avait fait la preuve que le rock francophone a un avenir. En 1980, ils occupent le Forum de Montréal, un endroit traditionnellement réservé aux musiciens anglophones. Fier de son appartenance au Québec, Jerry Boulet a chanté nos plus grands paroliers, les Harel, Langevin, Rivard, La Traverse, pour ne nommer que ceux-là. Pour nous, c'est de continuer en se remémorant l'amitié de Jerry, mais c'est d'y aller au bout, comme il a été lui-même. Je suis celui qui le la fille que je retombe sur mes mains. Les gens qui souffrent doivent nécessairement, un jour ou l'autre, partir parce que souffrir, c'est trop dur. Il y a les autres autour de soi aussi qui le vivent. Il est mieux là où... C'était nécessaire, c'est trop à un moment donné, c'est trop. À ça, faut que je me recouvre.